Yves-Marie Chanel. Yves-Marie, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Benson, bonjour tous les auditrices et auditeurs de la Diva. Merci Yves-Marie Chanel, parce que ensemble avec nous là, nous parlons regarder, comme nous toujours faisons ensemble avec vous, et situation en République dominicaine, notamment comme dans le contexte, côté que le secrétaire d'État américain a été visité tous les deux parties dans les États, Haïti d'abord, et puis en République dominicaine. Mais là, il faut que nous souligner, ça fait, en tout cas, se passer une année depuis Haïti avec la République dominicaine, trouvé une situation de tension et tension dans la mesure où, avec la construction et bagaille sous canal là, ça a été mis autorité République dominicaine et dans tout état. Et il y a des décisions unilatérales, le président dominicain a été fait, il prend, fermer frontières, couper et connexion aérienne avec les pays d'Haïti, mais entre-temps, élection faite, et puis Sabine Adel retourne pour l'autre mandat. C'est dans le contexte ça, et le secrétaire d'État américain vini et visité le pays, notamment la République dominicaine. Côté que lui, Sabine Adel lui-même, il y a des conditions limitées. Bon, c'est lui qui prend décision pour contre les fermer frontières après toute décision ça. Donc, vous constatez, imaginez, il y a des conditions que limitées. Qui ça, d'abord, vous-même, qui congé, arrivé sur la République dominicaine, qui sont pensées des conditions ça, et nous sommes dans les métiers, notamment en question de sécurité. Bon, en fait, c'est principale condition qu'elle mettait, et sinon que l'idée vient de défendre position la République dominicaine tout, non, et pendant la visite ça. C'est un point qui s'est présenté dans la conférence de presse que le débat ensemble avec le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Dans la conférence de presse, ça, Luis Abinader a été fait connaître lui-même que pas aucun pays qui est capable de supporter charge que Haïti représente pour lui. Dans ces deux domaines, par exemple, il dit qu'il y a 35% dans tout le monde qui fait dans l'hôpital en République dominicaine, c'est maman haïtienne. Il gagne à peu près 6,5%, soit 147 000 timoun haïtiens qui l'école dans l'école publique en République dominicaine. C'est pareil, ça a fait un gros débat depuis des semaines là en République dominicaine, en raison du fait que les Dominicains a affirmé qu'ils n'ont pas de place pour aller dans l'école publique et que le gouvernement est obligé de mettre un fonds disponible pour aider les Dominicains qui vont à l'école, dans l'école publique, 500 dollars américains par tête, Timoun, pour payer l'école privée pour eux. Parce que il y a Timoun haïtien qui dans l'hôpital, qui dans l'école dominicaine. Donc ça veut dire que, et dans ce sens-là, monsieur dit que son poids, que qu'il loue pour eux, et que et rétablissement en relation normale avec Haïti, ça veut dire que si vous avez une ouverture frontière, bah, comme ça, et ça va dépendre de questions de sécurité parce que il va mettre les questions de sécurité en jeu. Donc, c'est ça qu'il dit pendant la rencontre là. Tandis que Blinken lui-même, t'es plus à faire louange la République dominicaine, qu'il t'a dit, il était loué particulièrement et performance République dominicaine bail qui c'est premier économie dans Caraïbes là pour le moment et cinquième économie dans Amérique latine là. Donc Blinken avec un chiffre de 26 milliards de dollars à peu près et de PIB. Donc Blinken lui-même lui parlait de bon relation entre Dominicani avec les États-Unis. Mais il parlait toujours des nécessités pour deux pays sous île d'Haïti qui ont gagné de meilleures relations. Il y a une nouvelle qui paraît être, en tout cas, incompréhensible dans la relation. Pardon, après l'autorité haïtienne, il a fait une boudée et investiture de Sabine Adel, ça a été bien passé dans l'opinion publique favorisée en Haïti, mais oui, ça, et surtout là, puis mon approuvé ça, oui, et je t'ai félicité ça beaucoup du gouvernement. Mais en même temps, tout, depuis nouveau gouvernement, ça a monté depuis un mois de mai. Nous pas senti que aucune ouverture, nous-mêmes, beaucoup de pas nous, nous-mêmes en Haïti, nous fait pour qu'une patablie, une discussion avec la République dominicaine sous situation ça. Je pense que une faiblesse au niveau de. Par contre, ça passe si c'est le monde qui manquait, mais ou bien son méconnaissance de dossier à tout, ça va arriver avec nouvelle autorité qui vient. Moi, je pensais que comme absence, ils ont signalé là, une absence d'initiative au côté par. Dans le sens que nous-mêmes, nous avons une bonne situation pour essayer de résoudre. Donc, il faut nous prendre toutes les initiatives dans ce sens-là. Et
Parce que nous gagnons une quantité de Haïtiens, ti Haïtiens qui avaient étudié en République dominicaine. On parle de monde qui dans l'école publique, mais on va parler de monde qui dans l'université qui a un bon 20 000 Haïtiens, oui. Particulièrement dans la ville Santiago, qui dans l'université qui pas gagné un visa étudiant et qui pas un visa de résidence permanente, qui est allé sur un visa et comme dirait ça de touriste, un visa touriste. Après un mois, elle met dans une situation d'illégalité dans le pays. Il ne peut pas aller non plus tout, nous pas tenir compte non plus tout de quantité haïtien qui allait en République dominicaine, qui établit en République dominicaine, qui a fait business en République dominicaine, mais sur un visa touriste. Et tout visa touriste, ça, pratiquement. Il est fini. Un an, il est fini parce que, non, moi, c'est un an, là, particulièrement dans ce semaine, ça fait un an depuis que les frontières fermées, un an depuis que, visa, parce que au début de septembre 2023, que des points toutes décisions, ça, Donc, on a une situation avec des milliers, plus de 135 000 travailleurs dans le domaine construction qui va augmenter, qu'on a dans le domaine agriculture tout, qui travaillent de manière illégale, qui va avoir une pièce d'identité. D'ailleurs, c'est des arguments, ça, Dominique, qui a toujours mis devant, que nous avons une pièce d'identité, nous avons capable un passeport à citoyen là, car nous, pas un baptiste, ou pas un avec de il va gagner carte d'identité ou pas un passeport. Donc nous ça au même sur ta dit si on contrat avec eux pour faire n'importe qui bagarre pour nous prendre de régularisation une bonne quantité de monde ça pas de capacité dans plan premier plan de faire sur Danilo Medina en raison de inexistence de pièce d'identité et nous avons une situation de près de 40 000 passeports qui demandent passeport en République dominicaine qui pas satisfait soit mon été payé l'agent fait fond non, ambassade avec consulat, donc ça veut dire que bah, ça ne va pas résoudre. Mm. Une situation où nous pouvons résoudre des questions commerciales. Par exemple, la semaine, ça a fait couvrir le marché et on a maintenant son marché que l'Union européenne a débattu. Je regarde son marché qui est très moderne parce qu'il y a même des technologies là-dedans, les caméras, on sait de caisser automatique. Oui, tout à fait. Tant bien là, Yves, on t'a expliqué manque d'initiative ou manque de connaissance de situation qui gagne bon côté, pas le dire nouveau gouvernement, parce qu'il y a plusieurs mois depuis là déjà, et bon côté gouvernement qui gagne la tête les Gary Codilan. Mais même dans tout, il y a orgueil, mais il y a la réalité. Et la réalité, c'est garder la situation nous là, qui est dans deux populations qui sont plus victimes de situation ça. Et d'un côté, nous te pensons que nous sommes capables de quimber la République dominicaine, c'est sous produit ou gagner bombarder nous là. Nous, malgré frontières fermées, semaine passée, c'est dans le télécevoir au monde qui est dans nous maintenant, il expliquait que l'importation par rapport à la République dominicaine, dans le contexte, ça, il augmentait. Donc, conséquence, nous pensons que nous sommes capables avec frontières qui fermées, hein, il n'y pas arrivé à atteindre, nous continuons à bombarder nous avec toute qualité produit par eux. Et moi qui gagne encore une fois, c'est pour nous. Si les frontières étaient ouvertes, une petite quantité de pourcentage de qu'on passe, nous enregistrer, là nous ne pouvons pas faire du tout parce que nous passer quand même dans le contrebande. Ça, c'est une. L'autre côté, c'est sous population nous, c'est sous compatriotes, nous et sortis sans panneau, qui la caillou et dans qui condition à vivre l'autre bois, c'est quoi des marrons. Mon texte m'a préparé sur ça, m'a documenté sur ça, c'est quoi des marrons et à vivre l'autre bois. Donc, est-ce que vous estimez l'autorité Pablo Isidro doit balancer et partir ça tout pour regarder au-delà de l'orgueil nous gagnons pour nous dire que la République dominicaine est capable de marcher sur nous, c'est ce que fait ça. Est-ce que nous devons prendre en compte tout, partie qui est plus victime dans la situation, ça, Yves Marie-Chanel? Le bon d'accord que c'est une question de pour marcher sur nous et par contre, ça va la gérer, c'est diplomatie, c'est. Pour y'a bah, là, on a obligé, c'est bien-être population pour chercher en premier. Donc, c'est comment on est capable d'améliorer les conditions de la vie et ressortissant. Moi, je pensais que t'es doué, quand c'était à nommer en ambassade dominicaine. Parce que c'est un pays qui est important, même avec les États-Unis. Et dans la diplomatie, pays, ça, c'est des pays importants pour Haïti. Obligé à mettre un monde non diplomate de plus haut niveau et de plus grande expérience qui connaît dossier dans le pays ça. Parce que la République dominicaine, son pays, il garde mon en pile sous apparence. Et il garde mon en fonction de qui mon qui niveau éducation mon qui victoire mon an. Parce que là, on sait des diplomates haïtiens que nous avons passé. Si nous avons des nègres comme Guy Alexandre, ou Guy Lamotte, ou même
et dernier bon t'es gain Daniel sauté gain l'autre qui était là Daniel qui Smith Augustin qui était là. donc je te garde avec quand même un certain respect surtout mais on sait de faire l'école même genre avec on sait de nez qui était dans la chancellerie dominicaine. Donc ça parce que je songe moi-même mon période un période déterminée que même sous la guerre j'étais respecté diplomatie haïtienne là. Donc faut nous capable faire un genre pour nous mettre des monde qui ont un peu d'expérience qui dans diplomatie dans pays ça dans Dominicaine. Donc ça veut dire que moi penser que gon représentant diplomatie de assez fatigant en effacement depuis quelques années et en République dominicaine. Donc, en termes d'action auprès des citoyens haïtiens vivant en République dominicaine et auprès de la chancellerie dominicaine, donc vraiment, on manque de présence que nous concernons. Parce que crise là, forme de l'État, l'affecter et particulièrement l'affecter business haïtien en République dominicaine. Et business haïtien en République dominicaine, qui fait faillite et Guénaud qui sous-voie, qui a effondré. Particulièrement dans une zone qui est les doigts, côté grand pile mouvement économique. Mais c'est haïtien, monter des haïtiens qui ont fait mouvement économique ça. Mouvement ça, l'écraser, c'est pour des compagnies de transport. Comme une compagnie de transport haïtienne campée depuis 1 an. Tout employé au chez situation irrégulière parce que pas qu'à justifier présence en République dominicaine. Donc autant de bagages, donc et qui sont investissements millionnaires liés de haïtiens, son compagnie d'ailleurs qui fait honneur à haïtiens pour présentation avec au niveau autobus qu'elle vient, compagnie ça et Capital Cochin, il campait depuis 1 an, il n'a pas fonctionné. Donc à cause de situation de transit qui est interdit entre deux pays. Et même compagnie dominicaine que les Caraïbes tout, il y a des autobus qui campent en Haïti depuis 1 an, qui pas bouger. Donc, ce crise là, il a affecté, Matissa. Sous question commerciale, je crois que, d'après ce que Dominicain Obaï parlait d'une baisse dans le niveau commercial qui a pour cent de chiffres pour l'année 2003, là, qui est comparé là avec l'année 2024, là. Cependant, j'en dis là, car il y a une augmentation de flux pour nous-mêmes de commerce, là, parce que bon, importation qui est constatée dans le douanier, parce que ça pratiquement pas travail. Les produits qui passaient sous frontière, il y a des produits qui pas contrôlés, par exemple, la frontière de Belader, à côté de Gombayel, du baron pas là jusqu'à présent, parce que il y a des problèmes entre les forces de l'ordre de douane avec des citoyens dans la zone qui ne fait que tes combats y libre dans la zone ça. Et même si on regarde dans la zone pas mal pas ça, donc pas qu'on veut être contre, parce que la zone ça pratiquement contrôlée, les gangs et 300, 400 maozo. Donc, situation ça a un impact sur question commerce et contrebande à la frontière. Donc, oui. Même pour ce que j'en dis là, donc, il faut que vous faites pour en représenter, parce que par exemple, pour marché, il y a un directeur marché, ou en maintenant, qui va garantir que Dominique va venir acheter un marché, ou en maintenant. Normalement, les jours marché, il y a 3 jours de marché officiellement par semaine qu'on y a. Il était capable d'ouvrir tous les 2 marchés, parce que Gonpon, qu'il y ait 2 marchés, il était capable de permettre un va-et-vient. Même jour, il n'y a pas besoin de faire un jour marché pour Dominique, un jour pour Haïtien. Tout le jour marché, tu as pour tout le monde. Que t'es capable de faire une montée et descendre entre marché haïtien et marché dominicain, dominicain entre le marché haïtien, haïtien entre le marché dominicain. Et parce que j'ai un marché construit, il ne peut pas permettre que les citoyens des deux pays, ça, rentrer dans le ville, parce que, il fait longtemps que marché bouche à bouche et lié par un pont. Donc, ça, t'es capable de permettre que, d'une part, il y a un échange qui est plus favorable. Et, mais en même temps, tout, il y a un peu capable de relancer un dialogue avec Dominicain. Je me songeais que les grands groupes de journalistes haïtiens qui étaient rencontrés à Abinader, ça a gagné en 3 années comme ça en République dominicaine. Et Abinader a fait connaître que, et non, ça, excusez, ça a gagné à peu près 4 ans. Et Abinader a fait connaître lui-même que c'est ouvert pour être fondé en négociation sous l'auspice Organisation mondiale du commerce pour, ouais, comment on a pris un accord commercial entre deux pays.
Comment ça nécessaire? Parce que jusqu'à présent, c'est Dominicains qui a versé ses produits en Haïti. Nous-mêmes, quelques produits, nous pas arrivé à vendre en République Dominicaine, tant pour bière, tant pour rhum, là, qu'on y a les présents en République Dominicaine, par contre, qui a encore que rhum n'a été fait. Mais il arrive présent, il y a des autres compagnies qui ont négocié pour rentrer en République Dominicaine, parce qu'il y a une compagnie qui produit et alimentaire. Sous l'auspice de Saoul et Caribbean Export. Et il y a une autre compagnie qui a essayé de commander pour entrer en République Dominicaine, une compagnie qui fait type de bail pour soupe et pour maguille. Donc, nous avons gardé, il faut garder pour nous comment nous sommes capables, qui n'est pas équilibré, mais comme tu as arrivé, je dis ça, à certaines, aller vers un certain équilibre, ça nous vaut rien. Parce que nous avons quelques assises. Quelques produits qui produisent d'Haïti, qui arrivent sur le marché dominicain, hein, ils arrivent de façon très contrôlée et bien réglementée. C'est pas qu'où nous-mêmes, ils envahissent nous, fait dumping, surtout avec question de avec les déchets sur nous. Donc, c'est pas comme ça. Ils passaient vraiment, ils passaient, mais c'est de façon très contrôlée. Même pour un an qu'on est là. Je vais entendre des questions, mais, en tout cas. Non, moi, je veux que vous comprenez mieux là, vous entendez mieux. Oui, ça va. OK. Non, moi, je vous ai évoqué là quelques produits haïtiens qui arrivaient quand même et passer et sur le marché dominicain qui arrivaient là, au départ le cas de rhum. Moi, je dis oui, ça fait qu'il y a quelques produits haïtiens qui passaient, mais c'est de façon très bien contrôlée et qui est bien réglementée. C'est pas cool et nous-mêmes, yo envahissons nous avec toute qualité de produits sans aucun contrôle. Non, et produits qui arrivent de manière officielle et légale, c'est rhum avant quoi? Avant ça, bien aller, mais c'est un contrebande, pas jusqu'à présent. Okay, et parce okay. que, il y a une loi sur l'alcool, la République Dominicaine, qui dit que tout un alcool, ou ça, alcool non produit, et produit plus. Donc, ça, ça fait que bière, ou bien, on n'a pas compétitif par rapport à prix dominicain, parce que bière dominicaine, il y a moins d'alcool. Mais maintenant, bière prestige, là, ils vendent quand même, parce que, ils ont très apprécié la République Dominicaine, donc, on marche volé. Donc, ça veut dire que, et maintenant, c'est une négociation que vous faites pour voir comment ce qui arrive que vient à rentrer, même si l'entrée est chère, mais la disponibilité pour l'entrée. Donc, c'est le problème, ça, qui pas résout. Bon, moi, notre produit encore, qu'une drague au niveau agricole, pour Congo, ou bien, Pintade, ou bien l'autre bail, qui passait de manière en contrebande, sous frontière Haïti, pour aller à la République Dominicaine. Production de poulet. Oui. Dans le gazinage. Donc, et pour l'air, il a augmenté, puis pour l'air augmenté, qui a fait que et son possibilité pour Haïtien de produire plus pour le moins qu'on ait des efforts qu'a fait dans ce niveau région nord-est pays pour augmenter la production pour l'air au niveau local. Mais en République dominicaine, la production pour l'air diminuer à cause de chaleur qui attaquait en pile les gazinage et pour l'air. Yves, nous parlons finir là, mais un point, Sénat avec Sénat Saint évoqué matin sous cause de sécurité à côté que yo tu me suis évoqué ZAM cap sorti dans contrebande pour entrer en Haïti cap sorti en République Dominicaine pour entrer en Haïti et dans contexte que Abinader la parlé de la sécurité et qui gagne dans pays là, mais une nouvelle République Dominicaine nous change ça très bien sur président Prisal défend une enquête sur ça à côté que tu gagne pile médicaments contre effet à sortir la République Dominicaine pour venir en Haïti. Et ça arrive dans la tête moins éclair comme si c'était hier. Il n'y a pas l'autorité dominicaine. On t'a dit, lorsque l'autorité sanitaire en Haïti était intervenue sur ça, on dit, il y a pas contrôlé ça qui a arrivé la caillou. Il n'y a pas contrôlé ça qui a quitté la caillou. Ça qui a quitté pour la caillou, il n'y a pas contrôlé. C'est ça qui a rentré la caillou, il a contrôlé. Donc, ça qui a quitté la caillou pour venir en Haïti, c'est responsabilité par ici pour contrôler ça qui a sorti la République Dominicaine pour venir en Haïti. Sur ça, on discute tout à l'heure là avec Célestin et Daniel. Donc, l'autorité dominicaine, depuis 2009, c'était déjà clair sur ça. Que ça a sorti qui était là, yo, ça pas regardé. Yo. Non? Ça pas regardé. Yo. Ça a beaucoup. Et nous, contre les frontières, il n'y a pas de dépenser comme vous, puis il y a des vins, ça a montré la carreau. Il n'y a pas fait ça. Et par exemple, le pays a fait ça. Et c'est vous-même qui vous mettez, faites des dépenses pour faire, vous mettez ce que vous mettez, pour contrôler ça qui a quitté pays voisins pour entrer là-bas. Merci avec Yves Chanel qui était avec nous matin.